Yo les potes, c'est Shadow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur pas sur Fortnite les gars. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire des dilemmes ensemble. Donc voilà, les dilemmes les plus difficiles au monde. Donc c'est parti 29. Ils ont une chaîne YouTube sur YouTube. Donc voilà, et ça s'appelle les dilemmes les gars. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo différente que Fortnite, parce que faire du Fortnite tous les jours ça craint les gars. Et du coup je me suis dit, on va faire des dilemmes ensemble et on va essayer de répondre à des dilemmes tout simplement ensemble. Si vous aimez ce genre de vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche bien sûr. On s'approche des 30 000 les gars, je pense que dans 2 jours même pas on les a. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me soutenir dans la boutique de Fortnite. Le code créateur c'est Shadow les gars, comme sur l'écran ça s'affiche SH4TOW. Donc voilà, et je vous laisse avec les dilemmes les gars tout simplement. On va commencer avec le premier dilemme les gars. Donc voilà, on va voir c'est quoi. Alors, tu préfères rater ton vol ou perdre tes bagages? Bah les gars, c'est simple, je pense que c'est simple, parce que rater ton vol, je sais que ça craint, tu vois, ça craint, ça fait chier, parce que tu peux pas aller en vacances, t'es obligé de rester au pays où t'es, mais ça craint, tu vois, tu rates ton vol, tu vois. Mais perdre tes bagages, ça craint aussi, pourquoi? Parce que tu perds tes vêtements, tu perds tout, tu perds tes pantalons, je sais pas moi, tes vêtements quoi, tu perds tout, si t'as mis, je sais pas moi, un souvenir de toi, tu perds ça et tout. Du coup, moi, je préfère rater mon vol, parce que quand même partir dans un pays, ok c'est bien, mais au moins tu perds rien, enfin tu perds juste le billet d'avion, mais tu perds rien d'autre. Mais perdre tes bagages, tu perds tout, et du coup ça fait chier un peu. Du coup moi je préfère rater ton vol. Donc voilà, on va passer au deuxième dilemme les gars. Alors le deuxième dilemme c'est quoi les gars? Ça va tout simplement être, on va voir. Ok, tu préfères l'anglais ou les maths? Bah les gars, je vais vous dire, j'ai toujours été nul en maths. Du coup, je préfère pas les maths les gars. Je sais que les maths c'est très important dans la vie, mais je préfère l'anglais. Pourquoi? Je connais pas l'anglais les gars, je connais vite fait, mais je connais pas tout à fait. Je préfère l'anglais, pourquoi? Parce que, comment dire, l'anglais au moins c'est une langue... qu'on apprend, tu vois. C'est comme du français, comme, je sais pas, d'autres langues... d'origine et tout, turc, je sais pas, algérien, en espagnol, en italien et tout. Du coup l'anglais ça passe dans tout le monde les gars. Du coup l'anglais et les maths sont importants, mais moi je préfère l'anglais parce que j'ai toujours été nul en maths tout simplement. On va passer au troisième dilemme les gars. Alors le troisième dilemme c'est quoi? On va tout simplement voir. Ok. Tu préfères découvrir les secrets des océans ou découvrir les secrets de l'univers? Bah moi je vais dire découvrir les secrets des océans les gars. Je sais pas pourquoi, mais je préfère les océans. Du coup on va aller découvrir les secrets des océans. Quatrième dilemme les gars. Alors c'est quoi? Tu préfères être le ou la plus populaire de l'école ou être le la plus intelligente? Bah mec, moi j'ai envie de dire être plus intelligent, hein. Plus intelligent de l'école gros. Ou bien populaire, mais attends, populaire ou intelligent? Les gars, être populaire à l'école, je trouve que ça sert strictement à rien, et du coup vaut mieux être intelligent. Du coup moi je choisis intelligent les gars. Intelligent. On va passer au cinquième dilemme. Alors, c'est quoi? Tu préfères un an gratuit de Starbucks ou un an gratuit de Netflix? Bah... moi, en vérité, les gars, un an gratuit de Starbucks, je m'en fous un peu parce que... enfin, j'y vais pas tout le temps. Du coup, je préfère un an gratuit de Netflix parce que Netflix, tu regardes tous les jours, tu vois. Quasi tous les jours, tu es sur Netflix ou sur YouTube. Du coup, tu regardes des films ou, je sais pas, des séries et tout. Du coup, moi, je préfère un an gratuit de Netflix, les gars. On passe au sixième. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les espaces commentaires aussi, hein, ce que vous préférez et tout. N'hésitez pas à me dire. Moi, j'irai voir et j'irai voir vos commentaires. J'irai écrire quelque chose dans vos commentaires. J'irai aimer et tout. Donc, n'hésitez pas, les gars. C'est... vous pouvez écrire. Ok, là, c'est quoi? Tu préfères acheter tous les habits que tu veux ou acheter toute la nourriture que tu veux? Bah...
Moi, je dirais acheter tous les habits que tu veux, hein. Parce que les nourritures, tu vois, tu payes et tout. Donc voilà, on passe à la suite, les gars. Septième dilemme. Alors, tu préfères vivre dans un arbre ou vivre dans une grotte? Bah... Moi, je dirais vivre dans un arbre, hein. Parce que je suis dehors, tu vois, dans une grotte, mec, t'es à l'intérieur, tout noir, ça craint. Et vous aimeriez vivre où, les gars? De la grotte ou dans un arbre? Tu préfères passer une semaine à Disneyland Paris ou passer une semaine sur une île? Bah, je dirais passer une semaine sur une île, hein, parce que sur à Disneyland, on peut partir tous les jours si on veut, tu vois. Mais dans une île, faut payer, hein. Neuvième dilemme. Alors, tu préfères changer la couleur de tes yeux ou changer la forme de ton visage? Bah, je dirais aucun des deux, les gars. Mais je suis obligé de choisir un truc. Je dirais, allez, changer la couleur de mes yeux. J'aime bien mes yeux. Vas-y, on va dire le visage, hein. Parce que je suis obligé de choisir un des deux. Alors, tu préfères être chanteur d'opéra ou être un chef cuisinier. Bah, moi, j'aime pas être chanteur, les gars. Du coup, être un chef cuisinier. Active les notifications, il dit. Vas-y, mec, fais pas ta pub, là. Onzième dilemme. Tu préfères ne jamais perdre la mémoire, ne jamais vieillir physiquement? Bah, moi, les gars, je m'en fous de vieillir ou quoi, mais je préfère ne jamais perdre la mémoire. Parce que sans mémoire, les gars, c'est foutu. On est dans la merde. Allez, douzième dilemme, là. Tu préfères te faire hacker ton compte bancaire ou te faire hacker ton smartphone? Bah, moi, je dirais te faire hacker ton smartphone, hein. Parce que, mec, si ton compte bancaire se fait hacker, bah, t'es foutu, ils peuvent prendre l'argent et tout. Ah, bah, il y a une publicité de YouTube, les gars. Bah, ouais, je préfère le téléphone, les gars. Me faire hacker sur téléphone, parce que compte bancaire, c'est la galère, hein. L'argent, ils vont tout prendre. Alors, tu préfères passer toute ta vie dans le désert ou passer toute ta vie en Antarctique? Bah, dans le désert, hein, moi je dirais. Dans le désert, les gars. Alors, 14e dilemme. Tu préfères toujours avoir des démangeaisons ou toujours être malade? Bah, démangeaisons, les gars, hein, parce que malade, ça craint. Mais l'autre, ça se fait gratter, du coup, c'est chaud aussi. Ça fait gratter et du coup, c'est chaud, les gars. Allez, 15e dilemme. Alors, tu préfères être bloqué dans un manège ou être bloqué dans un télésiège? Bah, moi, je préfère manège, les gars, parce que télésiège, c'est foutu, mec, c'est trop haut. Alors qu'un manège, tu vois, c'est pas très très haut. Du coup, ça passe, quoi. Parce que quand t'es vraiment haut, les gars, vous avez peur, hein, c'est un truc de fou. Tu préfères être Spider-Man ou être Batman? Bah, les gars, moi, je préfère être Spider-Man parce que depuis que je suis petit, j'étais fan de Spider-Man. Batman aussi, j'aime bien, mais je préfère Spider-Man. Alors, 17e dilemme. Tu préfères pouvoir vivre 200 ans ou gagner 10 millions d'euros? Bah... Mec, pouvoir vivre 200 ans, c'est quasiment impossible. Du coup, gagner 10 millions d'euros, hein. Et vous préférez quoi, les gars? Alors, tu préfères mettre ta vie en pause ou revenir en arrière dans ta vie? Bah, les gars, c'est des dilemmes difficiles, ça, hein. Bah, je dirais revenir en arrière dans ta vie, hein. Putain, c'est chaud, gros, ces dilemmes-là. 19e dilemme, les gars, on va voir c'est quoi. Ok, tu préfères TikTok ou YouTube? Bah, je dis largement YouTube, les gars, parce que j'utilise pas TikTok. Et je trouve que TikTok, c'est pas mon délire, du coup, YouTube, les gars. Je préfère YouTube. Il y a pas mal de gens qui préfèrent TikTok aussi, hein, je peux le dire. 20e dilemme, les gars. C'est quoi?
Tu préfères trouver 500 euros et le garder, trouver 500 euros et le donner. Bah les gars, moi je vais pas faire le chien, tu vois. Si je trouve le 500 euros par terre, bah je le ramène directement au commissariat ou je donne à quelqu'un d'autre qui en a besoin, tu vois. Mais je le prends pas pour moi, quoi. Du coup, je le prends et je le donne, quoi. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Bah, mec, aucun des deux, hein. Vraiment, aucun des deux. Aucun des deux, les gars, mais vraiment, j'aimerais pas savoir l'un des deux, hein. J'aimerais pas savoir, les gars. C'est un truc de fou. Ok. Tu préfères passer un an dans une prison ou perdre 3 ans de ta vie? Bah. Perdre 3 ans, attends. Perdre 3 ans de ma vie, gros, hein, parce que prison, ça craint. Hein. 23, dilemme 23. Tu préfères écrire un livre sur ta vie ou faire un film sur ta vie? Bah, je dirais largement faire un film sur ma vie, les gars, parce que écrire un livre sur ma vie, ça risque d'être trop long, et du coup, un film, tu vois, ça peut durer max, je sais pas moi, 2 heures et tout, tu vois. Alors, dilemme 24. Tu préfères vivre ici ou sauver un chien? Bah, moi, je dirais plutôt sauver un chien. Vraiment. Après, vivre ici, tu vois, la maison, elle est pas mal et tout, mais quand je vois un chien qui se noie, je l'aide, tu vois. Obligé, les gars. Du coup, je crois que c'est la fin. N'oublie pas de partager la vidéo à tes amis, les dilemmes, donc voilà. Donc ouais, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les espaces commentaires. Lâchez un petit like. On s'approche à les 30 000 abonnés, comme je vous ai dit. Je pense qu'on est dans même pas 2 jours et tout. On les a. Merci à vous, les gars. On s'approche, enfin, on augmente de fou, les gars. Chaque jour, je prends au moins 150 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les espaces commentaires. Comme ça, peut-être qu'il y aura un deuxième épisode et pourquoi pas d'autres épisodes, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus, tes potes, pour une prochaine vidéo et un nouveau live. Ciao!